tous et à toutes. Aujourd'hui, on va apprendre à faire ce magnifique point que vous pouvez voir en ouvrage, idéal pour des tapis, des sets de table, enfin voilà. Il est vraiment très joli avec du gros fil, donc je vous invite vivement à choisir un fil du style Omi, Trapixel, etc. pour avoir vraiment un très joli rendu. Donc voilà, il est très simple à faire, vous allez voir, mais le rendu, comme vous pouvez le voir, il est exceptionnel. Ben ça, c'est ce qu'on va faire aujourd'hui. Donc c'est un point qui est multiple de 2, tout simplement. On va commencer ce point, donc là j'ai pris le fil Omi. Personnellement, je trouve que ce point il ressort vraiment bien, surtout quand c'est des fils plus gros en fait, plus grassouillés, pas des fils fins. Je trouve pas trop d'intérêt. Par contre, dès qu'on utilise quelque chose d'un petit peu grassouillé, ça ressort en évidence et ça fait vraiment très joli. Donc, avec le crochet numéro 12 et le fil Omi, je vais commencer à monter une maille chaînette qui soit multiple de 2. 1, 2, 1, 2, 1. Donc là, je vais venir m'arrêter là parce que c'est vraiment qu'un exemple et comme c'est très répétitif, ce n'est pas la peine de vous montrer 50 000 fois. Donc, une fois qu'on a fait tout ça, on vient faire une maille en l'air juste pour lever l'ouvrage. Ça, là, elle ne compte pas. Et à partir de la deuxième depuis le crochet, vous voyez, une, deux, on fait une maille serrée. Et le premier rang, c'est un rang de préparation qui ne se répète plus. On va faire uniquement des mailles serrées. Donc, vous voyez, vous avez jusqu'à piquer, à ramener et à faire vos mailles serrées. J'arrive à la fin, donc vous pouvez tenir le crochet de manière traditionnelle. Le fil Omi est vraiment un des fils les plus agréables à travailler. Donc ici, dans la dernière des mailles, je pique, je ramène et je fais ma dernière maille serrée du rang. Maintenant, on retourne. On fait une maille en l'air. Vous allez venir faire une maille serrée. Au commencement, on va toujours commencer de cette façon. Dans la maille suivante, une deuxième maille serrée. Une fois qu'on a ces deux, ici, on va venir régresser ici, à la base du premier rang, à la base de la maille serrée. Donc vraiment ici, vous piquez. Donc je descends, je ramène mon fil, je le ramène et je termine cette boucle. Maintenant, on saute une maille et dans la suivante, on répète la même chose. Une maille serrée normale. On régresse en bas ici. Donc on pique, on ramène le fil, on le ramène et on termine. Vous voyez? Et là, on a le croisement orienté ici vers la gauche. Donc maintenant, on continue, on saute une maille. Dans la suivante, une maille serrée. On régresse ici à la base, dans le rang précédent, vous voyez la maille serrée à sa base. Vous piquez, vous ramenez le fil, maille serrée. On saute une maille. Dans la suivante, la même chose. Une maille serrée. À sa base ici, on pique, on ramène et on fait maille serrée. Maintenant, à la fin, vous voyez, on saute une maille. Et dans la dernière, vous venez piquer et vous faites votre dernière maille serrée. Là, vous allez avoir l'impression que ça part comme ça, mais non. Vous prenez et vous allez voir, vous remettez bien en place. Et c'est bien droit. Il n'y a pas d'erreur de maille ni quoi que ce soit, donc vraiment, vous avez juste qu'à faire ça, peu importe le fil que vous utilisez, et ça va venir en fait tout simplement redresser l'ouvrage. Comme vous pouvez voir ici, c'est droit et là, c'est bien droit. Donc, on continue, on retourne. Une maille en l'air. Dans la première des mailles, une maille serrée, on commence toujours pareil. Maintenant, dans la maille suivante, une deuxième. Et maintenant, on va faire le croisement. Donc vous avez vu qu'ici, il y a un trait qui part vers la droite et un trait qui part vers la gauche. Enfin, chaque fois, c'est la même chose. Par la gauche, pardon, et par la droite. Par la gauche, par la droite. Par la gauche, par la droite. Donc, ce croisement, comment on va le faire? C'est très simple. Donc ici, vous voyez, vous avez les mailles serrées et qui sont disponibles. Vous voyez ici, vous avez le brin. Donc là, vous voyez là. À chaque fois, il y a une maille serrée disponible. Disponible, disponible, vous voyez. Donc, ici, on descend, c'est juste à droite du croisement, juste là. On pique ici, on ramène, on allonge bien sûr pour remonter à la hauteur et on termine ces deux boucles ensemble.
et là on a croisé. Maintenant on saute une maille. Dans la suivante, la même chose. Une maille serrée. On régresse en bas, vous avez la maille serrée qui est disponible ici. Donc on vient, on pique dedans, on ramène et on termine. Ces mailles serrées de disponibles, c'est les mailles serrées qu'on vient sauter à chaque fois en fait, tout simplement. Par exemple ici, c'est celle où on va venir travailler par la suite. Vous voyez, vous comprenez la logique. Donc on saute une maille, dans la suivante, une maille serrée. On régresse dans la maille qu'on était venu sauter ici. On pique, on ramène notre fil, on l'allonge et on termine ces deux boucles ensemble. Et en fait, c'est toujours la même chose. On saute une maille, dans la suivante, on pique, maille serrée. On régresse en bas, vous avez la maille ici qu'on est venu sauter. Vous piquez dessus, vous ramenez votre fil, vous l'allongez toujours bien sûr, et on termine. À la fin, vous sautez une maille et dans la dernière, vous piquez, maille serrée. Et vous voyez, la maille serrée part comme ça. Donc, chaque fois, c'est la même chose, vous laissez le crochet, hein. Vous avez juste qu'à faire ça. Et là, vous allez voir, vous avez, ça fait vraiment très très droit. Donc, on retourne. Une maille en l'air et une maille serrée ici sur le bord. Une deuxième maille serrée, puisqu'on commence toujours en faisant une deuxième maille serrée. Et là, on régresse en bas. Vous voyez cette maille qu'on était venu sauter? Elle est là, elle est disponible. Donc on pique ici, on ramène notre fil, on l'étire et on termine. Vous voyez? Et de nouveau, je saute une maille. Dans la suivante, une maille serrée. Je régresse dans la maille serrée qui est là. On est venu la sauter tout à l'heure, donc elle est là. Vous piquez, vous ramenez et vous faites votre maille serrée allongée. Et de nouveau, on saute une maille. Dans la suivante, on pique, on ramène. On régresse. C'est facile, elle est là, vous voyez, elle est complètement sautée. Donc du coup, on va venir la travailler. Hop et hop. On saute une maille. Dans la suivante, une maille serrée. On régresse. Ici, on a la maille serrée qu'on était venu sauter. On pique, on ramène. Et on termine ces deux boucles ensemble. Et c'est reparti. À la fin, quand vous avez toujours répété toujours la même chose, vous voyez, vous avez juste que à sauter une maille et dans la prochaine, vous faites votre maille serrée. Hop, et on étire vers la gauche. Vous voyez? Et en fait, comme vous pouvez voir, donc ça, vous pouvez le remettre comme c'est le fil au mi. Hop, ça fait vraiment très joli quand on remet en fait, vous voyez, les petits bâtonnets à sa place. On retourne. Une maille en l'air. Ici, dans la première des mailles, une maille serrée. On commence toujours pareil. Dans la deuxième, une maille serrée. Et là, on régresse, tout simplement. Donc, ici, on descend dans la maille qu'on est venu sauter. Vous voyez, elle est là. On est venu la sauter tout à l'heure. Donc, on pique à l'intérieur. On ramène notre fil. Et on termine. On saute une maille. Dans la suivante, une maille serrée. On descend dans la maille serrée ici qu'on est venu sauter tout à l'heure. Regardez. Elle est là. Vous piquez. Vous ramenez, vous levez, vous terminez. On saute une maille, dans la suivante, on fait pareil. Je vous assure qu'au bout d'un moment, en fait, c'est tellement facile, ça va vraiment tout seul. Vous voyez, hop. En fait, si je le fais à mon rythme, ça va vraiment très très vite. Et la dernière. On saute une maille, dans la dernière, maille serrée. On remet tout. Et à la fin, vous allez voir que sur les bords, ça reste mais parfait, parfait, parfait. Donc, on retourne et vous recommencez exactement la même chose. Vous allez voir que tout va se former. Donc, en fait, ici, ce que vous êtes en train de voir sur les côtés qui se forment ici, c'est ça. Hop, 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 vous voyez? Des deux côtés. C'est vraiment très esthétique. Si vous faites un tapis ou un set de table, je vous conseille de faire absolument rien en fait en finition, puisque c'est vraiment très très joli en fait sur le bord, vraiment. Donc là par exemple, si vous faites des petites franges ou pas, hein, vous laissez tel quel, vous cachez vos fils de départ et de la fin, ça peut vous faire un grand tapis de douche, vraiment très très classe. Vous savez, tout ce qui est scandinave et tout, le plus simple c'est le mieux. Donc si vous utilisez par exemple le fil au mi et que vous faites un tapis, ça fera exceptionnel. Et en plus, ce qui est bien, c'est que non seulement il est reversible, mais en plus,
les bords, on n'a pas besoin de faire de finition. Et ça, je trouve que ça vraiment très pratique. Donc voilà, vous avez juste qu'à répéter toujours le même rang, puisque réellement les croisements en fait se font tout seuls, en fait s'orientent tout seuls et tout. Vous avez juste qu'à répéter uniquement toujours le même rang. Donc que ça soit le dernier, l'avant-dernier, ce que vous avez envie. Et vous allez obtenir donc cette merveille que je vous ai montrée. J'espère que mon tutoriel vous aura plu, vous avez vu les cours, mais il nous faut des points comme ça, puisque de toute façon, on ne peut rien créer sans points, hein, évidemment. Donc c'est vraiment quelque chose de très important. C'est comme les matières premières en cuisine, donc vraiment, il nous le faut en fait pour pouvoir ensuite créer d'autres choses. Ben écoutez, sur ce, moi je vous fais de très gros bisous et je vous donne rendez-vous très très bientôt pour un nouveau projet. D'ici là, portez-vous tous bien, gros bisous à tous et à très vite.